C'est en 2005 qu'Edward Siaga a tiré sa révérence devant un parlement unanime à saluer le parcours de ce Jamaïcain d'origine libanaise. À l'époque, du haut de ses 75 ans, le chef incontesté du JLP prenait sa retraite politique, après 43 ans passés à la tête de la même circonscription, celle difficile de West Kingston. Depuis ma première élection en 1962, j'ai passé 10 scrutins successifs pour un total de 43 années avant que je ne prenne ma retraite. C'est dans les quartiers difficiles de l'ouest de Kingston qu'Edward Siaga s'est fait une réputation en politique. Des poches de pauvreté gangrénées par la délinquance et la violence. Pour s'imposer, Edward Siaga s'appuie sur les gangs armés. Le climat est à la violence politique, émeutes et fusillades se succèdent. Les campagnes électorales sont sanglantes. Je dois vous prévenir que nous avons prévu des manifestations de masse dans nos circonscriptions. Et celles-ci seront encore plus violentes. Nous obligerons les forces de police à prendre des mesures radicales. Dans les années 70, une véritable guerre civile fait rage entre ses partisans et ceux de Michael Manley, le premier ministre de l'époque. À l'élection 1980, on dénombre près de 800 morts. Edward Siaga remporte le scrutin face à Manley qui apparaît comme pro-cubain aux yeux de Washington. Edward Siaga, ami personnel de Ronald Reagan, impose une politique néolibérale et pro-américaine. Il dirige la Jamaïque durant 9 ans, avant que son adversaire de toujours, Michael Manley, ne revienne aux affaires en 1989. Edward Siaga a tenté en vain durant 16 années de reconquérir le pouvoir. Il a dû se contenter de ses succès dans sa circonscription de West Kingston, dont il est resté le maître absolu jusqu'à la fin. Ce que l'on sait moins de cet homme controversé, c'est qu'il a été dans les années 1950 un producteur de musique et l'un des initiateurs du ska, ce style musical né à la Jamaïque.